Bon, il y a la tempête, on est entre nous, tant mieux. Alors on va faire une conférence, non, on ne va pas faire, Thierry Fauvet, qui est là, ici présent, va faire une conférence sur les poulpes. Les poulpes qui sont considérées, je voulais vous le dire, dans les animaux les plus intelligents. C'est ce que j'ai dit ce matin, il y a les éléphants, il y a les dauphins. Et je crois que le poulpe fait l'épreuve du miroir aussi. Voilà, il y a les poulpes. Et le fait est, il y a, bien entendu, après Prozac, il y a les corbeaux, les corneilles qui sont les animaux les plus intelligents. Donc je laisse la parole, moi je m'efface totalement. Vous notez les questions que vous aurez à poser tranquillement. Il va y avoir des vidéos, il va y avoir la conférence et vous poserez les questions tranquillement après. Voilà, je vous laisse avec Thierry tranquillement. 1, 2, 3, c'est bon pour l'audio ? Bon, ben, si c'est bon pour la technique, c'est bon pour moi. Bonjour et merci d'avoir affronté les éléments. Donc, merci pour cette présentation, Thierry. Juste une précision, je ne suis ni biologiste marin ni scientifique, je suis juste passionné par ce Einstein des mers. Et donc, je vais juste vous parler du poulpe et de sa façon de vivre, et de l'intelligence et de ce qu'il peut nous apporter surtout. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler de ça. Et ça, c'est quoi? Eh bien, c'est le dessin d'Emma, une élève de petite section de maternelle, qui représente les pieuvres dans la mer. Alors, ce n'est pas un dessin que la maîtresse avait demandé, c'est un dessin que Emma, que je ne connais pas d'ailleurs, a fait d'elle-même. Donc, je présente ce superbe dessin parce qu'il est assez symbolique à mes yeux de l'image, l'imaginaire collectif concernant cet extraterrestre qui vit à nos côtés et que pourtant nous connaissons très mal. Symbolique de l'attirance par ses particularités, mais également des peurs, voire des phobies qu'elle génère. Aussi symbolique des aspects envahissants et tentaculaires qu'elle peut le représenter, et à ce titre, elle a donné son surnom à la mafia italienne qu'on appelle la pieuvre, mais qui pourrait très bien convenir à d'autres lobbying ou GAFA ou autres aujourd'hui. Alors, rassurez-vous, vous ne vous êtes pas trompé de salle, la pieuvre et le poulpe, c'est la même chose. Le poulpe, c'est le nom original, et pieuvre, c'est le nom qui a été emprunté par Victor Hugo au pêcheur de l'île de Guernesey quand il y est allé pour écrire « Les travailleurs de la mer » où le pêcheur Gilliatt se débat avec des tentacules. Alors, le succès fut tellement important en 1886 que, dans le langage courant, pieuvre a remplacé poulpe, sauf en gastronomie où ça doit être un peu plus appétissant en termes sur un menu. Jules Verne, dans Vers les milieux sur les mers, a également un peu diabolisé cette bête avec le capitaine Nemo du Nautilus qui était en proie à des tentacules. Donc, mais avant, pour être sûr de ne pas oublier à la fin, pour être sûr de ne pas être pris par mon premier ennemi qui va être le temps, le deuxième étant de vous servir quelque chose de simple et abordable sans pour autant que ce soit de la bouillie, je vais commencer par le début ou la fin, c'est-à-dire les remerciements. Je remercie évidemment le maire et le cabinet du maire, ainsi que tout le personnel municipal qui a œuvré pour que ces conférences aient lieu dans un cadre aussi confortable. Je suis conscient de la charge que ça représente, tant en amont en termes de communication que de logistique, et tout ce qui va avec. Et donc je remercie tout particulièrement l'organisateur de ces journées, à savoir le conseiller municipal délégué à la condition animale, Thierry Charrier, qui a eu la gentillesse de me présenter, ainsi que sa collaboratrice Nadia Le Faucheur, qui va essayer de remettre un peu d'ordre dans mon diaporama. Donc s'il y a des loupés, encore une fois, ce n'est pas mon métier. Tout en me demandant pourquoi une telle évidence, c'est-à-dire ces conférences sur le monde animal, n'avaient pas lieu plus tôt, comme quoi le bon sens n'arrive pas forcément tout de suite. Je remercie également les techniciens de la salle, qui s'occupe de l'audio, de la vidéo, que vous pourrez retrouver sur YouTube, ainsi que le label Capsule Télé, qui filme pour nos chaînes personnelles. Donc, mais surtout, un grand merci
à tous les scientifiques, cinéastes amateurs, passionnés de photos, de plongées sous-marines et autres, à qui j'ai emprunté des photos, des morceaux de vidéos que j'ai fait sous forme uniquement de courts extraits à des fins purement pédagogiques et donc dans le respect des droits d'auteur, au même titre que cette conférence non monétisée et non monétisable est soumise aux droits d'auteur. J'espère n'avoir oublié personne dans mes citations. Généralement, tout est sous-titré. En tout cas, tout ce que je vais dire n'engage que moi, mais tout est référencé, référençable ou vérifiable. Donc, conférence qui a comme seul objectif de vous transmettre un peu de cette passion qui m'est venue par hasard en regardant un reportage à la télé, et surtout de partager du plaisir pendant ces 2 heures qui nous réunissent. De toute façon, dehors, il fait mauvais. Alors, il est vrai qu'avec ses 8 brins indépendants, ses 3 cœurs, ses 9 cerveaux, son sang bleu, son système nerveux complexe, une intelligence impressionnante et presque anormale, associée à sa capacité de changer de couleur à sa guise, Octopus vulgaris, pour qui nous concerne, c'est-à-dire le poulpe que l'on trouve dans nos régions, chez nous, a de quoi fasciner chercheurs, plongeurs et Emma. Alors, voilà les tentacules. J'ai fait cette courte vidéo à l'aquarium de La Rochelle. Si vous ajoutez à tout ce qu'on a décrit la capacité de préhension inégalée, là j'ai fait un zoom sur le cœur. 240 ventouses par tentacule, 8 tentacules, ça fait 1920 ventouses, toutes pilotables une par une et indépendamment. C'est-à-dire que le poulpe peut faire passer un poisson d'une ventouse à une autre pour l'emmener jusqu'à son bec sur lequel je vous ai fait un gros plan tout à l'heure. Bec sur lequel on reviendra. La pieuvre peut soulever 14 fois son poids. Ce qui présente de grandes difficultés quand elle aime vous faire des câlins, parce qu'effectivement, elle aime vous faire des câlins. Voilà un extrait que j'ai récupéré. Donc, câlin parfois vigoureux, parce que c'est pour elle sa façon d'exprimer et d'exprimer son émotion. Donc, pour la première fois, j'emploie le mot émotion et on le retrouvera plus loin. C'est sa façon de communiquer et de vous ressentir. Si vous êtes son éleveur, en vous palpant, elle sait si vous avez pris des médicaments, si vous êtes de bonne humeur, elle sait si vous avez fumé, elle sait si vous êtes enceinte, si vous êtes une femme. C'est autant des nez que des doigts. Donc, s'il s'agit de la première rencontre avec le poulpe, elle sait également si vous êtes chargé de bonne intention envers elle. Alors, des fois, je dis elle, des fois, je dis lui, puisque le poulpe ou la pieuvre. Elle sait de suite si vous êtes chargé de bonne intention ou pas. Alors, on peut imaginer tout ce que l'on veut sur sa façon de le reconnaître, mais en tout cas, elle le reconnaît, comme l'ont montré des expériences. On pourrait aussi ajouter son aspect assez repoussant, en sachant que le poulpe, ou la pieuvre, a la peau totalement lisse d'un violet, et elle est capable, pour imiter le fond, de créer des pustules et de changer de couleur. C'est la reine du transformationniste, et à ce titre, comme elle n'a plus de carapace, sa seule protection, c'est de se camoufler. Donc elle choisit la stratégie du camouflage sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Et le caméléon qui fait référence, tout le monde connaît les capacités de changement de couleur du caméléon. Je peux vous dire qu'à côté de la pieuvre, c'est un gamin, tant par la palette de couleurs que par la vitesse à laquelle elle change et elle s'adapte. Je vous montrerai 2-3 vidéos tout à l'heure. Vous verrez que c'est sympa. Donc tout ce que je vais vous dire provient essentiellement de ces 2 livres. Et des vidéos que vous trouverez à profusion sur YouTube. Donc, sur ces 2 livres et les publications scientifiques dont j'ai tiré cette conférence, celui de gauche, c'est du pur bonheur. Si Montgomery, vous lisez ça un week-end pluvieux, et c'est véritablement un roman. Et en fin de diaporama, je vous donnerai une liste de toutes mes sources, mes principales sources vidéo, ce qui vous permettra, quand vous revenez sur YouTube revoir cette conférence, ça vous permettra de faire un arrêt sur image et de récupérer les liens. Donc, je vais vous présenter le poulpe ou la pieuvre en 4 parties.
Dans un premier temps, je vais vous présenter ses caractéristiques physiques et physiologiques. Ensuite, j'essaierai, avec toutes les difficultés que présente la simple utilisation du mot « intelligence », j'essaierai de vous présenter, de vous décrire les siennes. Vision bien évidemment erronée, dans la mesure où, quand nous, humains, nous jugeons de l'intelligence d'un animal, que ce soit le poulpe ou d'un autre, on le fait par le biais de nos prismes et par le biais de nos références, qui ne sont, sont pas forcément les bonnes. Mais si on inversait les choses, la pieuvre pourrait très bien vous dire, mais vous n'êtes pas capable de changer de couleur en 3 millisecondes, vous êtes vraiment nul, je reviendrai vous voir dans 3 millions d'années, voir si vous avez un peu évolué. Encore une fois, selon le prisme qu'on prend, l'intelligence prend une forme et une importance différentes. Alors, après avoir abordé ce qu'on pourra appeler le QI de la pieuvre, j'approcherai son intelligence émotionnelle, c'est-à-dire celle qui la rend si proche de nous, du moins avant que Sapiens Economicus, que nous sommes devenus, se déconnecte un petit peu trop de son cerveau droit, c'est-à-dire celui des émotions, de l'imagination et de l'intuition au profit du rationalisme du cerveau gauche. Et enfin, je conclurai, avant de passer aux questions-réponses, le tout avec beaucoup de courtes vidéos et un peu d'humour pour essayer de ne pas vous endormir dans ce créneau post-repas. Je vais donc vous raconter une histoire, l'histoire de cet alien, un lointain cousin qui, depuis notre séparation, puisqu'à un moment on a eu un ancêtre commun forcément dans l'arbre de la vie, a développé sa propre forme d'intelligence pour des résultats surprenants. Donc, première partie, on va commencer par voir qui c'est celui-là. Voilà, ça c'était la touche humour, parce que je ne suis pas équipé pour, comme ça j'ai coché la case. Pour les moins de 50 ans, c'était 1974. Et maintenant, alors, la tête à l'envers, céphalopode, céphalo c'est la tête, pod c'est les pieds, et en grec c'est les pieds sur la tête, c'est-à-dire l'inverse de nous, mais on s'aperçoit que ça marche aussi bien. Je vais donc maintenant essayer de répondre humblement par... et aussi factuellement possible que possible, à cette première question relevant de la partie physique. Donc, on va logiquement commencer par ses origines. Alors, pour les scientifiques ou les spécialistes, pardonnez-moi les imprécisions potentielles, mais globalement, si j'ai tout bien compris, il y a 5 à 600 millions d'années, nous avions un ancêtre commun avant que les deux branches vertébrées et invertébrées se séparent, dont les céphalopodes, et chacun a développé forcément son type d'intelligence. Puis, à moins 300 millions d'années, en bas à gauche, à moins 300 millions d'années, le poulpe, qui est le cousin de la seiche, du calamar, du nautile, mais aussi des huîtres et des moules, ainsi que des escargots, ça ne nous viendrait pas à l'idée, mais il est plus proche des escargots que des mammifères, a commencé à évoluer différemment, et à moins 150 millions d'années, les céphalopodes auraient commencé leur transformation vers leur forme actuelle. C'est-à-dire qu'ils ont fait un choix purement stratégique dans l'évolution, ils ont décidé d'abandonner leur carapace, c'est-à-dire leur seule protection contre leurs prédateurs. Et ce, afin d'acquérir plus d'agilité et plus de souplesse, justement, pour échapper à ces prédateurs, ce qui leur a permis de conquérir quasiment tous les milieux marins, entre les eaux peu profondes et les fonds abyssaux. Le plus vieux fossile de céphalopode remonte à moins 507 millions d'années. Pour comparaison, si sur cette flèche du temps, nous revenons un peu en arrière, Sapiens date de moins 100 000 ans, donc on est des gamins à côté de ce papy des mers, et les premières villes, vous verrez pourquoi je vous parle des premières villes tout à l'heure, date de moins 10 000 à entre moins 10 000 et moins 20 000 ans, première ville avec le chasseur-cueilleur qui passe au stade d'agriculteur, et actuellement on est dans le stade Homo economicus. Car contrairement au poulpe solitaire, le poulpe est un animal typiquement solitaire, alors que l'homme a un instinct grégaire et on a tendance effectivement à se rapprocher quand c'est pas à devenir moutonnier. L'homme n'a pas de griffes, n'a pas de crocs, n'a pas d'ailes pour s'enfuir,
Il court moins vite qu'un lion ou je ne sais quel carnivore. Et donc, pour survivre, il a été obligé de s'adapter, comme tout animal. Sauf que, au-delà de la capacité de son cerveau, un des choix qu'il a fait, c'est de développer des actions sociales pour augmenter son efficacité à la chasse. On est meilleur quand on chasse et qu'on encercle la proie que tout seul au poignard, voire à la lance. Toutes les espèces qui dominent ont toutes développé des interactions sociales. Et le poulpe, lui, est resté solitaire. On verra après quelles en sont les implications. Et donc l'homme s'est regroupé, a perfectionné ses outils de chasse, ses techniques de chasse, s'est regroupé, a commencé à cultiver et à occuper de plus en plus d'espace. Pour arriver à ça. Alors ça, je ne comprends pas comment on a pu faire des trucs comme ça, mais ça existe. Là, une publicité dirait « Maurice, t'as poussé le boucher un peu loin ». Pour comparaison, pour nourrir un chimpanzé, il faut 20 km² de terre. Pour nourrir un chasseur-cueilleur, il fallait à peu près 18 km². On ne va pas jouer au jeu des devinettes, mais sachez que pour nourrir un homme aujourd'hui, il faut 1300 km² de terre pour nourrir un homme. La source, c'est Vincent Minerot, un conférencier qui parle de l'effondrement inéductable, qui a donné une conférence à l'UBS en 2019, conférence que je vous recommande. Donc vous pianotez conférence UBS Vincent Minerot, vous tombez dessus. Alors, première partie, qui c'est celui-ci ? Qui c'est celui-ci, celui-là plutôt, espèces et familles. Donc nous revenons à nos amis céphalopodes, parmi lesquels on compte 200 espèces d'octopus allant de 2 cm à 4 mètres de long, dont certaines sont encore très peu connues. Alors ils sont 4 dans la famille du poulpe. Donc le poulpe est un octopode parce qu'il a 8 bras ou tentacules, mais on appelle ça couramment bras. Et qui peuplent, comme je vous l'ai dit, tous les biotopes marins. On a pris des photos jusqu'à 1400 mètres de fond, où il nage avec ses membranes. C'est-à-dire qu'il y a une membrane qui relie les bras et qui font comme un deltaplane. Donc, par exemple, il y a ce poulpe qui s'est adapté, le poulpe transparent, qu'on trouve au fond des mers, ça permet de voir un peu comment c'est fait à l'intérieur. Donc celui-ci, poulpe des grandes profondeurs. Dans la famille octopus, je demande le calamar, allant du plus petit au calamar géant, et qui, comme la sèche, a 8 bras, mais en plus, il a 2 tentacules supplémentaires avec des ventouses uniquement au bout et des crochets acérés qui sont pivotants, qui lui permettent d'attraper sa proie et de la ramener vers la bouche. Ça change totalement le mode de chasse entre le calamar et le poulpe. Le poulpe se jette sur le crabe, alors que le calamar attrape, lance ses tentacules et rapporte. Donc, calamar égale décapode, puisque 8 plus 2, ça fait 10 bras. C'est pareil, il occupe toutes les profondeurs, on en a trouvé à plus de 900 mètres des calamars normaux, et en raison de sa proximité avec la pieuvre, je vais faire un petit aparté sur les calamars géants, qui déjà dans l'imaginaire antique hantaient des générations de pêcheurs, parce que sa taille allait jusqu'à 12 mètres, et 275 kg pour la femelle, et 150 environ pour le mâle, avec des yeux de 30 cm. Vous imaginez, un œil de 30 cm, et un spécialiste du bowling, 30 cm, ça ne doit pas être loin d'une boule de bowling. Et pourtant, il y a plus fort que ça, il y a effectivement le calamar colossal qui vit dans les fonds de l'Arctique, donc on en a trouvé très peu, et on les connaît parce qu'on les a trouvés dans l'estomac de cachalots échoués. Mais quand ils s'échouent sur les plages de l'Antarctique, il n'y a pas grand monde pour les voir, pas plus qu'il y a de monde en dessous, mais ils sont connus depuis 1929, et eux, ils ont des yeux gros comme un ballon de basket. Et on pense qu'ils pèsent, puisque les scientifiques, quand ils les ont récupérés, ils ont fait des ratios, et ça allait jusqu'à 500 kg,
D'où probablement l'imaginaire des Victor Hugo, Jules Verne et compagnie. Donc voilà pour le calamar. On va continuer avec la sèche. Donc à chaque fois, je cite, quand je peux, je cite qui a fait le cliché. Et ça, c'est un photographe breton du coin. Alors, la sèche, elle a une particularité dans la famille, c'est que c'est la seule qui ait gardé un os. Un os que vous retrouvez des fois sur les plages. Et cet os, il a une fonction, et une fonction qui est pilotable. Cette fonction, c'est de servir de flotteur. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure, mais se déplacer pour ces animaux, c'est fatigant et compliqué. Et donc, via des réactions chimiques, cette sèche est capable de faire varier la densité de son os. Et donc forcément, moins l'os a de densité, et plus il flotte, et plus ça lui permet de remonter à la surface. Le dernier de la famille, c'est le nautile. Alors lui, il est un peu bizarre, il n'a pas jugé bon, durant son évolution, de se séparer de sa carapace, de sa coquille. C'est pas grave. Il a, par contre, Dame Nature lui a donné entre 40 et 100 mini tentacules. Donc celui-ci, on le considère un petit peu comme à part, et pourtant, il fait bien partie de la même famille. Alors, famille qui se nourrissent tous de crabes, de crustacés, crevettes, poissons et coquillages. Et le poulpe, qui est particulièrement carnivore, et on verra tout à l'heure pourquoi, lui, il mange à peu près tout ce qu'il trouve, mais il est plus particulièrement friand, un peu comme nous, des langoustes et des crabes qu'il garde dans sa bouche. Donc on verra tout à l'heure, la bouche du poulpe est munie d'un bec qui est fait en même kératine, comme nos ongles, et qui permet d'injecter un venin pour immobiliser ses victimes. Ensuite, le venin et la salive dissolvent la chair du crabe ou de la langouste, qui va aspirer, il emmène ça dans sa tanière et il met à peu près une heure et demie à l'aspirer. Ensuite, il s'endort repu. Et d'ailleurs, pour les pêcheurs qui pêchent au pot, c'est-à-dire qui mettent des pots au fond de l'eau, souvent, quand ils remontent le pot, il y a un poulpe dedans, tout simplement parce qu'il s'est endormi après cette gavée de crabe. Voilà, première partie physique, voilà, un peu comment est fait le crabe, donc la masse cérébrale, qu'on pourrait appeler le cerveau, mais on verra après, le foie, l'estomac, la poche à encre, on reviendra dessus, le cœur, en réalité, il y a trois cœurs, pareil chez les calamars, trois cœurs, la glande reproductrice, parce qu'il faut bien, la branchie, les branchies, le siphon, on verra tout à l'heure la fonction du siphon, et ensuite la bouche avec le bec que je viens de vous présenter. Donc, pourquoi trois cœurs et pourquoi ces problèmes de déplacement? Tout simplement parce que le sang du poulpe n'a pas d'hémoglobine et le fer est remplacé par du cuivre et donc a nettement moins de capacité à transporter l'oxygène jusqu'au reste du corps. Donc, il y a un cœur systémique qui distribue le sang oxygéné au reste du corps et il y a deux cœurs branchiaux qui transforme effectivement le dioxygène, enfin qui charge de dioxygène. Donc, en dehors des périodes de migration, pour la reproduction, les déplacements du poulpe se limitent à quelques centaines de mètres autour de sa tanière pour aller chasser la nuit afin d'éviter les prédateurs, et la journée, il dort dans la tanière. Autre particularité du poulpe, alors si et seulement s'il en survit, en raison de l'hémorragie dont l'odeur attire forcément requins et compagnie, s'il en survit, quand on lui coupe un bras, le bras repousse. Et il ne repousse pas partiellement comme la queue d'un lézard, il repousse totalement, y compris avec toutes les fonctions sensorielles. Donc à la moitié de la repousse, le bras est déjà totalement opérationnel, et au bout de 100 jours, il a un bras tout neuf avec toutes les fonctionnalités. Alors, on va aborder la reproduction. Le poulpe ou la pieuvre sont des animaux donc solitaires qui ne tolèrent la proximité d'un congénère qu'au moment de la reproduction qui a lieu vers entre un an et demi et trois ans selon les espaces.
Alors, phénomène bizarre, après l'accouplement, la femelle pieuvre conserve le sperme durant 6 semaines dans sa cavité, et ensuite elle vient déposer ses œufs, on verra par une petite diapo, elle vient déposer ses œufs et qu'elle arrose de sperme. Mais il y a une particularité, c'est qu'un gros mâle peut très bien passer derrière et réensemencer une femelle qui a déjà été ensemencée, et pour ça, il se sert de son siphon pour nettoyer la cavité et mettre ses spermatozoïdes à la place. C'est un peu aussi une forme de sélection naturelle. Donc, en principe, il y a une petite vidéo qui devrait suivre. Voilà, hop. Vers l'âge de 3 ans et demi, après son premier et unique accouplement, la femelle choisit une faille sous un rocher pour y pondre ses œufs. Dès lors, tapie dans son trou pendant les 6 semaines que dure l'incubation, cette mère courage passera sa vie à protéger et ventiler les œufs collés en grappe sur le plafond de la cavité. Elle ne s'alimente plus pour garder l'endroit sain et veille sa couvée. Jusqu'à la mort. Lorsque les petits éclosent, ils sont immédiatement livrés à eux-mêmes. La femelle épuisée par le jeûne, anémie, famélique, n'a plus qu'à se laisser mourir. Terrible. Ce sacrifice rituel empêche toute transmission du savoir. Chaque génération doit tout réapprendre à zéro. Un éternel recommencement. Voilà, là, elle sort de son terrier pour laisser la place aux œufs. Cette vidéo vient c'est un extrait d'une vidéo qui s'appelle « Pieuvre alien du fond des mers ». Honnêtement, c'est pareil, c'est une heure de pur bonheur. Je vous conseille fortement. Donc, la pieuvre, comme on l'a vu, elle sort, elle est complètement anémiée puisqu'elle est restée toute la durée de la gestation sans manger, et donc elle sort, elle est toute blanche, et elle dépérit, elle meurt au fond. En temps normal, et là je dis bien en temps normal, et on verra après pourquoi ça a de l'importance, en temps normal, il y a 1 à 2 œufs, donc 1 à 2 bébés pieuvres qui survivent. C'est 1,7 en moyenne pour Octopus vulgaris chez nous, mais ça c'est en temps normal et c'est essentiellement variable en fonction d'un tas de paramètres que sont la salinité, la température de l'eau, et la pondaison pour la pieuvre est un véritable calcul, savoir combien elle doit pondre d'œufs, environ 50 000 pour les pieuvres de chez nous, et c'est un espèce d'équilibre. Si elle en pond trop, elle n'a pas assez de force pour aller jusqu'au bout pour les couver, et si jamais, quand ils sont en train d'éclore, elle a encore trop de force pour vivre, c'est qu'elle n'a pas pondu assez. C'est un espèce d'algorithme assez pointu. Chez les pieuvres de haute mer, elles transportent les œufs, puisque là on a vu qu'elle était dans une anfractuosité, mais les pieuvres de haute mer transportent les œufs dans leurs bras pour éviter qu'ils partent avec les courants et qu'ils aillent faire du plancton pour les autres animaux, pour les autres espèces. Et les pieuvres qui vivent au fond, c'est pareil, à un moment elles se posent sur le fond pour couver. Contrairement aux pieuvres, les seiches et les calamars, elles, eux, abandonnent leurs œufs au courant. En revanche, on connaît moins bien ce qui se passe chez celles vivant en grande profondeur, mais là où il fait moins 3 degrés, les œufs mettent plus de temps à éclore. Ça veut dire que quand les bébés sortent, ils sont beaucoup plus matures et ils ont donc beaucoup plus de chances de survie. Le record de couvaison est de 4 ans et demi, qui a été enregistré avec des caméras à 1400 mètres de fond. Ce qui fait, c'est le record de la plus longue couvaison connue au sein du règne animal. Pour rappel, un éléphant, c'est 21 mois. Autre chose, le bébé de la pieuvre géante du Pacifique, donc une autre espèce dont on verra quelques images tout à l'heure, passe la première année de 1 trentième de gramme à 1 kg, puis ensuite il double de poids presque tous les 4 mois. Croissance fulgurante et exceptionnelle, sans égale dans le règne animal non plus. Selon les espèces, les pieuvres vivent entre 6 mois et 5 ans pour les grandes pieuvres du Pacifique qu'on verra tout à l'heure. Et donc pour les pieuvres, on voit bien que c'est la course à la nourriture et c'est une espèce de...
C'est une espèce, je dirais, de punition. Plus elles grossissent, plus elles ont besoin de manger. Plus elles ont besoin de manger, plus elles grossissent. Et c'est la course à la... C'est la course après cette malédiction. Donc la pieuvre est dotée d'un appétit proportionnel à sa croissance, et donc d'une croissance proportionnelle à ce qu'elle mange. Et, autre phénomène, l'accouplement serait une sorte de déclencheur de dégénérescence. Donc on a vu pourquoi la mère pieuvre mourait, mais apparemment le même phénomène a lieu chez le mâle qui lui ne couve pas et continue de vivre sa vie, de manger et autres. C'est un phénomène pour lequel je n'ai pas trouvé d'explication. Donc pour résumer la vie d'une pieuvre, pour autant qu'on puisse le faire, résumer, pourrait être grossir et apprendre vite, puisqu'on a vu qu'il ne se transmettait pas de savoir de génération en génération et pour cause, grossir et apprendre vite et mourir jeune, alors que certains d'entre nous humains, pour certains d'entre nous humains, leur objectif c'est de tuer la mort. Autre particularité qu'on a évoquée tout à l'heure, la pieuvre est la championne des transformistes, elle change de couleur et se transforme instantanément à volonté. Une petite vidéo. Cette pieuvre se déguisait en caillou. Vous voyez, ça bouge. Et pourtant, je ne vous passe pas la vidéo en entier pour des raisons de droit d'auteur. Et pareil, il y a une autre vidéo que je ne vous passe pas, que vous pouvez trouver sur Istock. Je ne vous la passe pas parce que les droits d'auteur sont trop généreux pour prendre 5 minutes. Mais vous avez des exemples de camouflage et de changement de couleur et de forme à une vitesse vraiment impressionnante. Vous pouvez quand même visionner ça sur cette adresse. La vision, enfin, le fait de regarder en ligne est gratuit, c'est le fait de l'utiliser commercialement ou en public qui est interdit. Donc, elle se déplace, généralement, elle se déplace au fond en marchant et elle avance de bras par deux bras avec une souplesse tout à fait quasiment inexplicable. Quand on verra tout à l'heure comment fonctionne le cerveau. Mais elle peut également nager en arrière à l'aide de son siphon. Vous voyez, elle aspire de l'eau, qu'elle recrache, et donc ça la propulse. On dirait la cuillère d'un rafale, et c'est probablement pas non plus un hasard, certainement du mimétisme en plus. Ce qu'on vient de voir là, c'est 2 litres, 2,5 litres d'eau qu'elle propulse à chaque fois. Donc elle va moins vite que les 40 km/h du calamar, mais elle nage bien. Et lorsqu'elle est en fuite, elle a une autre technique. Ça, généralement, c'est quand elle se sauve. Pour chasser, elle marche. Et là, c'est pour se sauver. Et quand elle saute, elle jette un nuage d'encre. Tout le monde a déjà entendu parler de ça. Par contre, quand on creuse un peu, ce nuage d'encre, il a plusieurs finalités. La première, c'est type fumigène, c'est-à-dire que voilà, je fais un écran de fumée, mais pas seulement. En même temps, la pieuvre se pigmente de noir. Donc la pieuvre devient toute noire, plus le nuage noir derrière, ça donne une forme qui peut laisser penser au prédateur qu'il a affaire à une grosse bestiole et non pas un truc qu'il va pouvoir avaler. Mais il y a pire que ça. Où il y a plus fort, il semblerait que la pieuvre soit capable de créer des hologrammes, alors non pas pour faire des meetings politiques ou se poser à Kaboul sans se faire shooter des missiles, mais en tant que leurre pour les prédateurs, au même titre que là, les leurres que vous voyez sont faits pour faire des points de chaleur plus importants que les moteurs, de façon à dérouter les missiles. Et bien la pieuvre fait la même chose, elle fait une tache d'encre plus importante qu'elle, de façon à ce que le prédateur aille sur la tache d'encre. Alors, une scientifique travaille sur la possibilité de l'existence d'un alphabet ou d'un message induit dans les taches d'encre. J'ai pas plus d'infos que ça. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est fortiche, mais vous allez voir, il y a encore plus fort, une petite vidéo que j'ai empruntée, car non seulement elle utilise sa stratégie de camouflage dans son environnement, donc en se transformant en pierre ou autre, mais pour dissuader les prédateurs, elle a d'autres techniques. Donc théoriquement, il y a une petite vidéo qui devrait suivre. Voilà, c'est parti. Ça vient de Ushuaïa TV. Ça devrait partir. Et c'est parti. La pieuvre mimétique vit dans les eaux tropicales d'Asie du Sud-Est.
et s'enfonce dans le sable, tout en reproduisant les motifs marbrés du sol. Mais sa véritable force réside dans une autre forme de mascarade. Non contente de changer de couleur, elle prend l'apparence d'autres animaux. Lorsqu'elle se déplace, ou qu'elle cherche de quoi manger, elle avance avec les bras serrés contre son corps afin de passer pour un poisson plat venimeux. Une stratégie de défense efficace. Les prédateurs y réfléchissent à deux fois avant de l'attaquer. Ce n'est ni la première ni la seule créature aquatique à se travestir. Ce qui la rend unique en son genre, c'est qu'elle est capable d'imiter de nombreuses autres espèces. Les scientifiques ne savent pas exactement combien, mais une chose est sûre, tous les animaux de son répertoire sont dotés d'un venin mortel. Alors là, moi, quand je vois ça, en dehors du fait que je trouve ça magnifique, ça me pose deux questions, ou du moins une question à deux étages. La première, c'est qu'elle connaît son adversaire potentiel. Et la deuxième, c'est qu'elle connaît le prédateur de l'adversaire pour pouvoir l'imiter. Alors comment ? J'ai pas trouvé de réponse. Je ne sais pas si c'est du savoir inné génétiquement transposé ou je ne sais pas si elle a appris toute seule. Alors, voilà pourquoi il est important ça. Toujours l'aquarium de La Rochelle, c'est l'environnement idéal de la pieuvre, c'est-à-dire des rochers dans lesquels elle peut se planquer. Elle peut aller chasser le soir, parce que dehors, ça rôde méchamment. Donc toujours l'aquarium de La Rochelle. Voilà un mérou, mais il y a un dauphin qui se balade. Alors c'est pas la pieuvre de l'aquarium de La Rochelle n'est pas dans le même bassin. J'ai photographié deux bassins. Et derrière, voilà pourquoi, parce que dans la vie réelle, ça se passe comme ça. Ça devrait démarrer. Voilà. Les naissances, ce n'est pas du jour, marque le début du combat quotidien que doivent mener des milliers d'espèces pour survivre. Parmi les quantités infinies de mets délectables que lui offre la mer, le mérou, souverain vorace des eaux méditerranéennes, ne peut résister à la chair tendre et délicate de la pieuvre. Comme tous les animaux marins, le poulpe doit payer un lourd tribut au seigneur et maître du domaine. Voilà, ça c'est pareil au royaume des pieuvres géantes, c'est un truc à voir, c'est magnifique, surtout les soirs où il n'y a rien à la télé qui fait mauvais. Donc là, on a vu la pieuvre qui servait de proie aux mérous, dauphins, les morues, les phoques, tout le monde raffole du poulpe. Mais elle s'est aussi passée de proie à chasseur. Alors, le petit montage vidéo qui va suivre, j'ai un peu cafouillé, et le L que vous allez entendre au départ fait allusion. Elle a senti quelque chose, mais trop tard. De chasseuse, elle est devenue la proie. Cette pieuvre est une des plus grandes au monde. Ce mâle pèse 8 fois le poids du requin. Et ses tentacules de 2 mètres enlacent sa proie dans une étreinte fatale. Le squale tente bien de se libérer. Mais la force brute ne suffira pas. Regardez la suite. Chaque tentacule compte 240 ventouses, développant une succion si puissante que la force de 100 requins similaires ne pourrait pas en venir à bout. La pieuvre attend le moment adéquat pour délivrer son baiser mortel. Le bec. Sa gueule ressemble à un bec d'oiseau. Puissant, il est conçu pour déchiqueter les arthropodes et les mollusques. Une peau de requin ne fait pas le poids face à cette arme redoutable, capable d'injecter un venin qui paralyse et dissout les entrailles de sa proie. L'estocade fait mouche et elle s'avère fatale. Voilà, donc là, c'est une femelle requin Aquila qui a la particularité d'avoir un petit
une petite épine dorsale, ce qui gêne un peu le poulpe pour l'envelopper. Mais sur d'autres espèces de requins, le poulpe ou la pieuvre l'attrape et le met sur le dos comme le font les scientifiques quand ils veulent les baguer. Un requin sur le dos, ça s'endort. Sauf que non seulement elle le met sur le dos pour l'endormir, mais avec ses bras, elle vient lui boucher les ouïes de façon à l'étouffer. Donc le requin meurt étouffé et forcément, il finit manger. Donc là, sur ce qu'on vient de voir, elle valide également une autre formule utilisée dans un autre monde qui dit qu'au combat, les 15 premières secondes dépendent de la chance. Ensuite, c'est le savoir-faire et la technique. Donc les 15 premières secondes, c'est quand elle a réussi à attraper le requin et ensuite, elle a déployé sa technique à la perfection. C'est bon, je suis dans les temps, ce qui était mon antise. On va approcher les intelligences. Alors, pour moi, on pourrait presque s'arrêter là, car avec tout ce que l'on vient de voir, en termes de stratégie déployée et d'adaptabilité, sont déjà des preuves irréfutables d'une forme d'intelligence, quel que soit le sens qu'on lui donne aux côtés des 8 types ou je ne sais pas combien d'intelligences qui ont été identifiées. Je me contenterai de la définition de Wikipédia et que je résume ainsi. C'est la capacité à résoudre des problèmes qui se posent à eux pour survivre dans leur environnement naturel et social. Et ces deux derniers mots, naturel et social, font toute la différence au bout de 200 millions d'années, où je pense qu'on a peu de leçons à lui donner, me semble-t-il. Alors, même si au sein des primates, la taille du cerveau reste un des meilleurs prédicteurs des performances cognitives, on ne va pas s'attarder sur cette diapo qui mériterait beaucoup plus d'explications de la part de Thierry. On va simplement se contenter de ça. Retenez que l'intelligence n'est pas uniquement fonction de la taille du cerveau d'une énorme neurone, mais de la capacité cognitive, mais que les capacités cognitives, la mémoire et l'apprentissage, peuvent être plus précis, pour être plus précis, dépendent tout autant de leur connexion et de leur organisation que de leur nombre, plus d'un tas d'autres phénomènes. En principe, il devrait pédaler un peu, lui. Il a pédalé ? Il n'a pas pédalé ? Voilà. Un peu de mal, pareil, il était en pleine digestion. Donc, pour revenir à ce qu'a dit Thierry ce matin ou à midi, je ne sais pas, est-ce qu'il y redira peut-être probablement demain, dans les espèces, on trouve forcément les grands singes, les dauphins, les éléphants, mais aussi les pies et corbeaux qui peuvent se reconnaître dans une glace et fabriquer des outils, ou les perroquets qui peuvent tenir une conversation structurée avec plus de 800 mots. Il y a également les cétacés avec un langage qu'on n'a pas encore été capable de décoder. C'est vous dire le delta qu'il y a entre nos connaissances et tout ce que ces animaux marins, puisqu'aujourd'hui on parle du poulpe, mais également je suis passionné par les éléphants, il y a encore un tas de choses à apprendre si on leur laisse le temps, si on leur laisse le temps de nous expliquer. Pour revenir à notre ami le poulpe, il est considéré comme doué d'une intelligence particulière et exceptionnelle pour un invertébré. Encore une fois, je vous rappelle, la branche de la vie s'est séparée vertébré et invertébré, et chacun a développé un type d'intelligence particulière. Le poulpe est considéré comme un des meilleurs chez les invertébrés, avec une intelligence, toute chose étant égale par ailleurs, qui pourrait correspondre à celle d'un chien, malgré sa malédiction qui ne lui permet pas de transmission intergénérationnelle des savoirs, comme on a pu l'expliquer, et pour un animal qui vit en solitaire. Alors, outre ce que je viens d'évoquer, lui aussi, il est un peu feignant, il aurait dû travailler. Voilà. Bon, c'était joli, mais... outre ce que je viens de vous expliquer, il y a différentes équipes, dont voici les noms, qui se sont associés, donc plusieurs labos de scientifiques qui se sont associés pour mettre en évidence trois niveaux d'intelligence que je vais essayer de vous détailler. Le premier niveau de cette intelligence consistant à résoudre un problème nouveau pour lui. Donc, on a mis dans son aquarium, on a mis un crabe dans un bocal,
bocal fermé avec un simple bouchon, il est arrivé, il a enlevé le bouchon, boum, dommage pour le crabe. On a dit, on va compliquer un peu la chose, on a pris un pot de confiture, on a mis le crabe dans le pot de confiture, on a fermé, le poulpe est arrivé dessus, il a regardé un peu, on avait bien serré, ça marchait pas. Il est sorti, enfin, il est venu se coller à la vitre, et on a l'impression, quand on voit la vidéo que vous retrouverez en ligne, on a l'impression vraiment qu'il réfléchit, il retourne sur le pot de confiture, il le dévisse, il mange le crabe. Ça, c'est le premier niveau de l'expérience, mais on a compliqué l'expérience et on a pris un bocal avec un col serré, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, et on a rentré un crabe dedans qui faisait juste le diamètre de l'étranglement, et on l'a mis au fond. Là-dessus, on a lâché le poulpe dedans, et le poulpe, il a tâté avec une tentacule, et sans aller plus loin, il a tout de suite su que le crabe qu'il était allé taquiner avec le bout de son bras, il a tout de suite su que le crabe ne sortirait pas avec sa taille plus l'épaisseur du tentacule. Par contre, ce que lui a permis de voir le premier sondage, c'est que lui pouvait rentrer dans le bocal. Et donc il est rentré dans le bocal, le poulpe, dommage pour le crabe une fois de plus, et on remarque dans cette vidéo qu'il n'y a pas du tout de stress de la part du poulpe, c'est-à-dire qu'il sait que s'il est rentré, il ressortira. Ça, c'était la deuxième expérience. Donc, il a compris, il a appris, et par ailleurs, les scientifiques ont testé, en dehors de leurs animaux, de leurs spécimens d'aquarium, ils ont testé ils ont fait les mêmes expériences avec des animaux sauvages qui sont allés récupérer qu'ils ont demandé aux pêcheurs de récupérer, et ce que l'on constate, c'est que cette intelligence est commune à toute l'espèce de la famille, là c'était Octopus vulgaris, les mêmes que chez nous. Donc il a compris, il a appris, et les résultats sont identiques, premier niveau d'intelligence. Second niveau, un biologiste marin, l'a cité tout à l'heure, du Marine Unshallon, étudie, lui, l'octopus dolphinus, c'est-à-dire la pieuvre géante du Pacifique. Ça fait 30 ans qu'il fait ça, ce brave chercheur. Et il a enfermé la pieuvre dans un récipient en plexiglas transparent avec un trou de 6 cm. Pourquoi 6 cm ? Parce que c'est exactement l'espacement qu'il y a entre les deux yeux du poulpe. Et c'est la seule chose chez le poulpe qui ne soit pas compressible. Donc il n'a que le bec qui est rigide, et le seul écartement, si les yeux passent, tout le reste passe, y compris s'il s'étire, d'autant plus qu'il a une espèce de muqueuse qui fait que ça glisse tout seul. Et donc le poulpe, encore une fois, avant de tenter, met un coup de tentacule. De là, il estime le diamètre, il sait qu'il passe, et effectivement, on le voit s'étirer et sortir. Deuxième étape, une fois qu'il est sorti, le chercheur met un réducteur qui réduit le diamètre à 4 cm. Et bien là, le poulpe qui était passé par ce trou remet un coup de tentacule, et là, il s'aperçoit qu'il ne passe pas, et il n'essaye même pas. Il n'essaye pas, je vais forcer, non, il sait que ça ne passe pas, et donc il n'essaye pas. Et donc ça veut dire qu'il a conscience de lui, c'est-à-dire c'est le second niveau de l'intelligence, et comme le premier, cette intelligence a été répétée et est commune à toute l'espèce. Ensuite, ils se sont posé une question d'un niveau supérieur, leur intelligence peut-elle devenir abstraite, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent avoir la notion du temps et d'espace et se projeter dans le futur? Donc, nouvelle boîte, on a repris la même boîte de plexi, avec un trou de 4 cm, un trou de 6 cm, sauf que le trou de 6 cm, il est prolongé par un tube en plexiglas qui fait un W. Ce qui fait que quand le poulpe, on le met dedans, le 4 cm, il ne s'y intéresse même pas, il sait qu'il passe par le 6 cm, mais par contre, il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc, il y va à tâtons, avec une tentacule, et il se fait le W. Sauf que, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai zappé une étape, c'est qu'on l'avait mis dans un aquarium où il y avait un mérou. Et donc, au début, il y a le mérou qui tourne autour, le poulpe est resté collé au fond
de sa cage en plexi. Il a attendu que le mérou s'en aille. Et là, effectivement, il a commencé à faire son circuit par le W. Quand il arrive à la sortie du W, il remet un petit coup de tentacule pour voir que c'est bien l'espace libre qu'il y a derrière. Il regarde un peu partout. Et là, il se sauve directement, se cacher sous un rocher. Et donc là, il s'est projeté dans le futur et dans l'espace, c'est-à-dire qu'il a osé, il a essayé et il est allé voir plus loin. Et encore une fois, il a appris, puisque quand on l'a remis une deuxième fois le même poulpe dans le même circuit, dans le même labyrinthe, eh bien il a fait le parcours en deux fois moins de temps. Donc il a appris, et pareil, cette intelligence est commune à toute l'espèce. Donc on sait qu'il est capable également d'apprentissage, et d'ailleurs c'est la vidéo qui m'a passionné pour le poulpe il y a 5 ans, 6 ans. On met un poulpe dans un aquarium en plexi transparent avec un labyrinthe. On met un autre poulpe dans un aquarium à côté, et lui il se contente de regarder. Le premier poulpe cherche le chemin, trouve le bon chemin et sort. On prend le deuxième poulpe qui n'a fait que regarder, on le met dans l'aquarium avec le labyrinthe, eh bien, il fait le parcours du premier coup sans se tromper. Donc il est capable d'apprendre de l'autre en regardant ou autrement, et je ne veux pas rentrer dans l'autrement, ça sera peut-être le sujet d'une autre conférence, mais voilà, il est capable d'apprendre de ses congénères. Et pourtant, il est constitué de façon totalement différente de nous. On dit qu'il a 9 cerveaux, et je vais vous montrer que c'est vrai, selon le sens qu'on donne à cette expression. Donc l'organisation cérébrale du poulpe est totalement différente. Chez l'homme, on a un cerveau en haut, ensuite on a tout un réseau de fibres optiques qui distribue l'info un petit peu partout à une haute vitesse en réseau de la mélanine, enfin ça va très vite, mais tout est décidé là-haut. Si jamais j'ai envie de attraper la bouteille d'eau, mon cerveau va donner les ordres pour que mes muscles et mon bras fassent ce qu'il faut pour ramener la bouteille à ma bouche. Donc le cerveau analyse la distance entre mon corps et la bouteille et donne les ordres sur ce qu'il faut faire au moyen des muscles et du squelette. Alors, j'évince ici, si jamais il y avait des questions pour après, on va répondre tout de suite. J'évince ici la question de l'intestin en tant que deuxième cerveau, d'abord parce que je n'ai pas la compétence et c'est en sujet. Le poulpe, lui, il a fait un choix totalement décentralisé. Je fais une petite aparté, un cerveau qui donne les ordres, des réseaux qui partent et ça bouge de partout, on a copié ça également sur nos organisations administratives et industrielles. Le poulpe, lui, il a fait un choix totalement décentralisé. C'est-à-dire qu'il a un système nerveux central, comme on a vu sur le schéma du poulpe tout nu tout à l'heure, qui comprend deux lobes optiques connectés aux yeux, mais non reliés entre eux, formant un cerveau central. Donc, c'est-à-dire qu'on a à la fois le cerveau et les lobes optiques, qui représentent 250 millions de neurones, mais on se fiche un peu du nombre de neurones. Et il a des éléments périphériques qui sont en réalité ce qu'on appelle des petits cerveaux, mais qui sont des ganglions stellaires. Et donc il en a un par bras, avec 50 millions de neurones par bras. Donc effectivement, et derrière, chaque ventouse a à peu près 10 000 neurones. C'est pour ça que ces ventouses sont douées également de savoir et ont des capacités. Et donc ça fait bien un cerveau plus 8, on arrive bien à 9 cerveaux. Le cerveau central du poulpe ne possède pas la région qui nous permet la perception de la position du corps dans l'espace, c'est-à-dire on appelle ça la capacité de proprioception, qui joue un rôle essentiel dans notre équilibre, et la réalisation des mouvements précis pour aller attraper ma bouteille d'eau. Quand nos enfants apprennent à manger avec la petite cuillère, des fois ils loupent la bouche, et bien c'est le réglage de cette capacité de proprioception. Le poulpe n'a pas cette capacité, ou du moins le cerveau central du poulpe n'a pas cette capacité. Et donc on peut se demander comment dans ces conditions il arrive à être aussi précis dans ses gestes. Eh bien,
Le cerveau central ne donne pas d'ordre précis comme le mien dit « va attraper la bouteille d'eau ». Le cerveau central, dans un premier temps, il enclenche des comportements stéréotypés et il envoie les consignes aux 8 bras. Et chacun des bras du poulpe va choisir le comportement adéquat pour essayer de remplir la mission qui lui a été assignée. Exemple, attraper l'objet. Puis, et donc chaque bras a son système neuronal et analyse les mouvements nécessaires afin de réaliser cette tâche. Il y a un chercheur, il y a deux chercheurs qui ont dit en 1996 que les bras sont curieusement divorcés du cerveau. Effectivement, on peut constater des phénomènes troublants, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un bras qui va charger, ou deux bras qui vont charger d'ouvrir une coquille Saint-Jacques, pendant que le troisième va vous caresser et que le quatrième va charger de je ne sais pas quoi faire. Mais globalement, chaque bras a ses capacités de décision indépendantes. Par contre, toutes les infos ensuite remontent quand même au cerveau central. Donc ça fait une espèce ou un espèce d'état-major. On envoie des consignes et ensuite on remonte tout et là-haut, on analyse à peu près ce qui se passe. Il possède, comme on l'a vu également, une excellente mémoire stockée dans ses nombreux neurones. Et donc, en principe, on a une petite vidéo, d'où les difficultés rencontrées par tous les aquariums pour conserver leur poulpe dans leur bassin. Ils ont tout essayé, des bouchons, des trucs. Globalement, régulièrement, il y a des poulpes qui se font la valise le soir, qui vont dans le bassin des poissons, qui se goinfrent et qui rentrent se coucher le soir ou pas. Il y en a d'autres qui retrouvent le chemin de l'océan. Et c'est arrivé plusieurs fois. Ça, c'est pas une simple anecdote. Alors, comment et d'où viennent toutes ces intelligences? Bonne question. Elles supportent probablement plusieurs réponses, dont certaines ont dû échapper, mais d'abord, effet. Donc, on a vu tout à l'heure que le poulpe ne se transmettait pas du savoir de père à, enfin, de parent à enfant, parce que les parents meurent. En plus, ils n'ont pas Wikipédia, ils vivent en solitaire, et pourtant, ils arrivent à apprendre de leur cogénère. Donc, ils ne bénéficient pas des bienfaits cumulatifs. Aujourd'hui, quand nous, parents, on transmet à nos enfants, on transmet un tout savoir qu'on a accumulé depuis des générations. Cette intelligence semble donc innée, puis développée par auto-apprentissage. Cela semble la première réponse évidente. Donc, troisième partie, on va passer à l'intelligence émotionnelle. Et là, le titre que j'ai choisi avant d'écrire est décalé, parce qu'il ne s'agit pas d'une question, il ne s'agit pas de savoir si le poulpe a une intelligence émotionnelle. C'est une évidence, comme la plupart des animaux, le poulpe a bien évidemment une intelligence émotionnelle. Les pieuvres sont ainsi capables de reconnaître des individus. On a fait des tests, on a habillé deux soigneurs de la même façon et on leur a demandé de venir s'occuper des poulpes de façon totalement aléatoire. Et il y a un des soigneurs qui jouait le gentil et l'autre qui jouait le méchant en le titillant avec une espèce de brindille. Eh bien, au bout de deux semaines, les poulpes étaient capables de faire la différence entre les deux soigneurs. Il y a un soigneur pour qui c'était la douche assurée, et il y a l'autre soigneur pour qui c'était des câlins à n'en plus finir. Alors, anecdote, on a également vu une pieuvre qui, dans son bassin, apparemment avait un néon qui l'empêchait de dormir. Eh bien, avec son siphon, elle s'était amusée, deux, trois nuits de suite, à viser le néon, ce qui a fait disjoncter l'éclairage de toute l'aile de l'aquarium avant que les gens comprennent que c'était la poulpe, que c'était la pieuvre qui le soit arrosée. Donc, pareil pour les changements de couleur, et là je rentre dans la partie émotionnelle, les changements de couleur de la pieuvre ne sont pas uniquement une stratégie de camouflage, mais répondent également à des humeurs. Une pieuvre qui est en colère devient rouge. Donc on a la même expression des émotions, un petit peu comme votre chien remue la queue,
comme les chevaux de Christine abaissent les oreilles quand ils ne sont pas contents, ou comme les éléphants expriment leur tristesse devant la mort d'un des leurs. Avec le poulpe, c'est pareil, quand vous savez décrypter les couleurs et que vous parlez de poulpe, c'est écrit dessus. Donc, pour information, à notre échelle temps, si je reviens tout à l'heure à la flèche du temps, l'homme, via ses philosophes comme Hippocrate, ont commencé à évoquer la notion de comportement qui comprend donc les émotions en plus des attitudes, moins de 140 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que globalement, ils avaient 200 millions d'années de retard, ce que l'on a toujours. Et d'ailleurs, en ce qui concerne l'émotion et la douleur, la sensation de douleur, selon une enquête de 2021, donc c'est du tout neuf, le poulpe pourrait ressentir une douleur émotionnelle d'une manière similaire à celle ressentie par les mammifères. Cette étude, c'est la première qui met en évidence de la douleur chez les invertébrés. Et ça tombe bien parce que, de façon in extremis, depuis 2013, le poulpe, bénéficie de la même législation que les vertébrés et est donc considéré comme un animal capable de souffrir. Et donc il est soumis légalement à l'obligation de prendre des précautions de bien-être animal pour faire les expériences. Et à ce titre, excusez-moi, je suis trop loin du micro, les chercheurs sont obligés de demander l'autorisation à leur ministère pour effectuer des expérimentations sur le poulpe, mais tant sur le poulpe que sur les embryons du poulpe. C'est le seul invertébré qui bénéficie de cette législation. Voilà, ça, c'est la conférence que j'avais gaillardement prévue et j'aurais dû passer aux conclusions et aux questionnements. Mais ça, c'était avant. Alors, c'était avant quoi? C'était avant que je me découvre sur YouTube, il y a 15 jours environ, la vidéo déjà citée, la pieuvre alien des fonds marins, qui a été mise en ligne le 1er septembre, que vous retrouverez donc facilement, et que je me dois d'intégrer rapidement. On savait déjà qu'il y avait deux colonies de poulpes qui avaient été construites, donc des espèces de villes de poulpes, si vous voulez, d'une quinzaine d'habitants, qui avaient été construites au large de l'Australie. Il y en avait une qu'on avait appelée Octopolis, et l'autre Auclantis, qui représentait déjà des villes avec un petit peu d'échanges sociaux et une vie collective. Et on voyait que les poulpes communiquaient plus ou moins entre eux jusqu'au point d'être capables d'exclure un des membres et en tout cas de virer tous ceux qui n'appartenaient pas à la communauté. Mais ces observations ont été confirmées donc il y a peu de temps au large de Capri en Italie par les équipes de l'Institut Anton Dohm de Naples. C'est une des instituts qui faisait partie de la liste des cités tout à l'heure. Donc, une colonie de poulpes y a également été observée et étudiée. Et non seulement on y a trouvé des comportements sociaux et des actions de groupe, ainsi qu'une sorte de communication sans pour autant qu'il y ait de langage. Et on a observé chez les pieuvres qui habitent cette colonie, on a également observé des changements comportementaux et adaptatifs tout à fait impressionnants. Exemple, elles ne fuient plus devant l'arrivée des plongeurs, elles sont devenues beaucoup plus téméraires, plus sûres d'elles, au point d'aller taquiner, vous verrez sur la vidéo YouTube, un poulpe gros comme ça, qui va s'entourer autour d'une murène, qui pourtant, d'habitude, est un de ses ennemis, et il se barre en courant comme un gamin qui aurait fait une bonne blague dans la cour de récré, tout en sachant qu'il venait de prendre des risques quand même certains. Et donc, on voit que cette vie collective, si je puis dire, a une influence interpellante sur le présent, mais également sur le futur. Donc, ce reportage pose au moins pose des questions. La première, c'est: est-ce que cette colonie a été créée en raison de la pollution, du nombre de touristes qui font qu'il y a moins de proies et donc la nécessité de chasser collectivement et de développer une intelligence collective et des stratégies de chasse, c'est-à-dire, au passage, les mêmes critères qui ont permis aux hommes
donc chasseur-cueilleur, de prendre le dessus sur les autres espèces. Deuxièmement, est-ce qu'on a affaire à un phénomène particulier, au même titre qu'en Turquie, il y a deux colonies de poulpes et ça fait des années qu'il n'y a que deux colonies de poulpes. Est-ce que c'est un phénomène donc ponctuel ou est-ce que c'est l'expression d'une évolution darwinienne qui remettrait en cause la position hiérarchique du poulpe? On entend souvent dire pourquoi est-ce que le poulpe n'est pas devenu le roi, le maître des océans? Eh bien, on a vu dans cette conférence, parce que d'une part, il ne se transmettait pas à l'intelligence et que d'autre part, il vivait en solitaire. Donc c'est dur de prendre le pouvoir dans ces conditions. Et dans ce cas-là, cette évolution comportementale et sociale, est-ce qu'elle mettrait fin à la malédiction des poulpes de devoir tout réapprendre à chaque fois, puisqu'en vivant collectivement, les petits poulpes peuvent apprendre du tonton, de la tata, enfin des adultes qui sont autour, et ils pourraient, comme ils le font par mimétisme, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, pourquoi pas finir par dominer les océans. Alors, ça me pose une autre question. Quand on sait que si demain, je vais à la pêche au maquereau avec un nouveau leurre à maquereau, et que je fais un carton en maquereau, eh bien, les maquereaux du Pacifique ou à l'autre bout du monde seront immédiatement au courant de l'existence de ce nouveau leurre. Donc on peut se demander si cette évolution va continuer et que les autres poulpes ailleurs vont se dire « c'est pas bête, en vivant à 15 et en chassant à 15, on y arrive mieux que tout seul » ou est-ce que ça va être une simple situation ponctuelle. Donc à propos de la transmission des savoirs entre les maquereaux qu'il y a au large de Groix et ceux du Pacifique, vous attendrez la conférence de Thierry Charrier demain qui devra trouver certainement une réponse à ça. Dans tous les cas, cette évolution, si c'en était une, si c'était une évolution darwinienne, prendrait des dizaines de milliers d'années et amène une autre question de nature bien différente. La vraie question qui fera le lien avec les conclusions qui vont suivre, c'est est-ce que l'homme leur laissera le temps d'évoluer et est-ce qu'il se laissera à lui-même le temps de vie sur Terre pour voir cette évolution à l'échelle de ce qu'a été le développement? Et comme, encore une fois, il a été dit ce matin, l'homme n'est que l'épaisseur de la couche de peinture sur la tour Eiffel. Pour ma part, je me contenterai de la remarque de Bernard de La Fonchet, qui devrait arriver théoriquement. Voilà. Et en me disant qu'à l'heure où on se demande si l'intelligence artificielle aura une conscience, on ferait bien d'intégrer que les animaux qui, eux, n'ont pas attendu pour nous le faire savoir, n'ont eu aucune réponse de notre part concernant leur intelligence, voire leur intelligence émotionnelle. Albert Einstein pensait qu'il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. Avait-il là aussi raison ? La question que je pose, c'est l'homme n'aurait-il pas un cerveau gauche trop puissant dont il ne sait pas quoi faire, à part faire pondre des algorithmes? On peut se poser la question devant les sons, encore une fois, que nous donne cet animal. Pour être dans les temps, je vais arriver aux conclusions personnelles, ayant trait à la protection des espèces animales. Je vous rappelle qu'on est là aujourd'hui dans le cadre des conférences, dans le cadre de la Journée mondiale des animaux, et pour parler du bien-être animal. Et donc, je me suis aperçu à la fin de cette rédaction, comme je vous l'ai dit, que son titre que j'avais choisi avant de rédiger était un titre inapproprié. La question évidente n'est pas « Et si l'homme avait l'intelligence émotionnelle du poulpe ?» La vraie question et la problématique auxquelles nous allons devoir répondre, et ce, rapidement, c'est « Et si Homo economicus retrouvait son intelligence émotionnelle en se reconnectant tout simplement à son cerveau droit ou son cerveau limbique, c'est-à-dire à ses sentiments. Non pas pour aller encore plus vite, encore plus fort, encore plus loin, mais tout simplement pour aller mieux, plus loin et plus longtemps. Et malheureusement, même si je ne suis pas forcément de nature pessimiste, malheureusement, force est de constater que ce n'est pas gagné. Aujourd'hui, sur Terre, s'il n'y avait pas de programme de protection des espèces,
il n'y aurait plus aucune espèce pesant plus de 500 kg qui existerait. 1 million d'espèces animales sont en voie de disparition dans le monde, dont 2400 en France. Je ne sais plus à qui j'ai emprunté cette phrase que je vais vous citer, mais ce n'est pas la peine d'aller chercher les conditions invivables sur Mars si nous les créons sur Terre. Troisième remarque, on n'est plus dans l'ère du « ou », on est dans l'ère du « et ». Oui, le changement climatique, c'est important, mais la préservation de la biodiversité et de ces génies des mers comme des éléphants et comme du million d'espèces en voie de disparition, c'est non seulement important, mais c'est urgent. C'est urgent tant pour notre survie physique. La disparition des abeilles, des vers de terre, et ainsi de suite, vont avoir des conséquences phénoménales sur notre développement et sur notre vie. Mais c'est également nécessaire pour notre survie psychologique. Et qui plus est, sans pour autant nier le changement climatique, mais si on arrête tous de respirer, de rouler et de cracher du CO2 aujourd'hui, les 1,5 degrés ou les 2 degrés, ils sont quasiment garantis. Alors que pour la protection des espèces animales, si on agit maintenant, on peut avoir un impact quasi immédiat. La notion de temps est importante. Si vous cherchez des extraterrestres, ne regardez pas vers le ciel, regardez au fond des mers. Et quel sort réservons-nous à ces êtres étranges venus d'ailleurs? On les capture par milliers pour servir d'appât dans la pêche au cabillaud. Triste sort pour un extraterrestre. Ça aussi, un film, La pieuvre géante, un film à voir. Aujourd'hui, pour revenir au poulpe, le Canada constate déjà la disparition progressive du poulpe géant, de la pieuvre géante du Pacifique, chassé à outrance depuis les années 60. En 1957, on a trouvé le cadavre d'un spécimen de 270 kg avec des tentacules de 9 mètres. Sur l'équipe de plongeurs, l'équipe de scientifiques tout à l'heure, sur 90 plongées, les plongeurs n'ont rencontré qu'un poulpe géant. 90 plongées, un poulpe géant, et ça dans un endroit qui s'appelle, au large de Vancouver, qui s'appelle l'archipel aux poulpes. C'est pour vous donner une idée de la gravité et de l'importance de la disparition. On peut se poser la question si nous lui réservons le même sort que pour les éléphants. Pour rappel, les éléphants, ça peut paraître décalé par rapport aux poulpes, mais il y en a 30 000 qui disparaissent par an, soit un toutes les 17 minutes. Notre conférence, qui aura duré 2 heures, aura vu disparaître 10 éléphants. 10 éléphants sur une population de 300 000, à peu près 300 à 500 000 en Afrique et 10 fois moins en Asie. Donc faisons en sorte de diviser ces disparitions par 10 puis par 100 immédiatement pour avoir une chance d'espérer pouvoir découvrir tous les secrets que tous ces animaux ont encore à nous transmettre. On a presque réussi à le faire avec les baleines. Les baleines, une loi de 86 interdit la chasse et la vente de la chair, ce qui n'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Et ces cétacés ont commencé à être protégés en 1970, c'est-à-dire qu'il a fallu 16 ans pour que les choses évoluent un peu. 16 ans, si on commence maintenant, je ne suis pas sûr que dans 16 ans, il restera des pieuvres géantes au large du Canada. Défendre la nature sauvage n'est ni un luxe, ni une option, mais une nécessité, et il nous reste, à mes yeux, et encore une fois, ça n'engage que moi, que quelques années pour cela. Et comme le dit Edgar Morin, le tout est plus que la somme des parties, le changement collectif sera donc la somme des changements individuels. Chacun d'entre nous est comptable et responsable du bien-être animal. Je pense que c'est la conclusion qui devra ressortir de l'ensemble de ces conférences. Et enfin, pour finir, dernière question que je me pose, que peuvent nous apporter les animaux, surtout ce génie des mers qui m'a passionné et cet invertébré de 200 millions d'années? Eh bien, paradoxalement, puisque l'homme n'est pas capable de s'offrir pour lui-même, tout simplement, plus d'humanité et de dignité. Je finirai sur une diapo
d'une phrase gravée au fronton du grand manège de l'école de guerre. Et je dirais que ça ne concerne pas seulement nos fidèles compagnons chiens et chats ou chevaux, mais tous les animaux et surtout ceux qui nous donnent leur vie pour nous nourrir. Sur ces réflexions personnelles, je vous remercie. J'espère que cela a été enrichissant pour vous. J'espère avoir été suffisamment passionnant pour cet intriguant seigneur des mers, l'avoir démystifié un peu pour Emma, sans pour autant avoir enlevé la magie des récits de Jules Verne ou de Victor Hugo. Et avant de passer aux questions-réponses, non, c'est pas celle-là, tiens, il y a un bug, voilà, je vous signale une superbe exposition sur Anita Conti, qui déjà, à son époque, en 1939, en tant que première femme océanographe, avertissait sur la disparition des espèces et le réchauffement des eaux, et par ailleurs, à partir de la semaine prochaine, excusez-moi, merci Nadia, à partir de la semaine prochaine, vous avez toute une série d'expositions organisées par la Ville de Lorient avec plein de sujets passionnants. Voilà, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Je vais me prêter à ce jeu. Quand je ne saurais pas répondre, encore une fois, je ne suis pas scientifique, quand je ne saurais pas répondre, je dirais « je ne sais pas ». Et potentiellement, je chercherai les réponses que vous trouverez sur le site de la mairie et de la délégation animale. Néanmoins, au vu des questions qui m'ont déjà été posées auparavant et avec les réflexions qui courent dans l'air du temps, comme tout bon cancre, j'ai préparé quelques réponses. Donc il y a certaines pour lesquelles j'ai des vidéos, d'autres j'ai pas, et j'essaierai de répondre. Voilà, la parole est à vous. Il y a quelqu'un qui va passer en salle. Il y a une dame là-bas qui a un micro. Et je vous laisse m'interroger. Bonsoir. Alors, je voudrais poser deux questions. Ouais, attends, je range ma chambre un peu et j'arrive. Non. Vas-y. Dans le jus. Il y a deux questions. Il y a une question locale et puis il y a une question philosophique. Oui. La première chose locale... Près du micro, je... Tu entends mieux, là ? Ouais, voilà. La première question, c'est pourquoi il y a aussi... Là, on parle d'une... Des poulpes qui envahissent le coin. C'est dans tous les journaux et je voudrais savoir quelle réponse on peut donner à cette augmentation de poulpes qu'il y a partout. Ça, c'est la première question qui est purement locale. La deuxième qui m'interroge un peu plus, c'est que tu me dis qu'il a 9 cerveaux, enfin un cerveau central et 8 cerveaux octopus, enfin 8. Est-ce que les cerveaux collatéraux, les cerveaux secondaires, ont une notion de conscience? Parce qu'on sait très bien que le cerveau central répond à l'expérience du miroir. Est-ce qu'on a fait des expériences avec les cerveaux collatéraux, enfin les cerveaux secondaires, entre guillemets. Voilà les deux questions. Merci, j'espère que tu as prévu des pizzas pour ce soir, parce qu'on est parti pour les réponses. La première question, effectivement, elle est légitime. Elle est légitime parce qu'elle inquiète les pêcheurs de nos régions. En ce moment, pour ceux qui ne savent pas, il y a une profusion de poulpes qui vide tous les casiers. Alors, comme je m'y attendais à cette question, et comme c'est la problématique du moment, et qui est légitime, hein, je comprends que les pêcheurs, et notamment, il faut savoir que le poulpe, il y a 80% des poulpes pêchées qui sont exportées vers l'Asie. Par contre, les langoustes et les crabes qui sont en train de dévorer en ce moment dans les casiers, c'est ce qui va leur manquer pour nos fêtes de Noël. Donc, je m'attendais à cette question, et donc, j'ai interrogé les gens qui savent, à savoir Ifremer. Et Ifremer avait déjà fait des communiqués dans Ouest France et dans Le Marin pour dire que globalement, ils n'ont pas de réponse à cette problématique ponctuelle. Par contre, ils ont eu de la gentillesse de me communiquer un rapport qui date de 2021, donc d'avril 2021, qui a été commandé par la préfecture de Sète, et ça a été fait par leurs collègues de Sète, qui répond, je dirais, de façon générale. Qui répond de façon générale de la façon suivante. On sait que...
Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une espèce d'algorithme que mettait la maman poulpe au moment où elle pondait, c'est-à-dire savoir combien d'œufs elle allait pouvoir couver. Je vous ai également dit que les œufs au fond des mers mettaient plus de temps à éclore à 3 degrés que les œufs en haut. Et donc, une des réponses, c'est que, et ici ça a été très bien documenté, mais encore une fois de façon générale et à la mode d'Ifremer, c'est-à-dire à la mode scientifique, avec des vraies études en mer, sur le terrain, en labo, et globalement, on sait que les poulpes sont sensibles à la température des eaux, au taux d'oxygénation, et ainsi de suite. Je vous donne un petit exemple. En 1963, il y a eu un hiver d'une rigueur pas possible au Japon, et cet hiver a tué toute la population de poulpes au Japon. Et donc, les Japonais ont été obligés d'importer de Chine des millions de petits poulpes, d'interdire la pêche pendant 2 ans pour repeupler. Et quelques années après, une dizaine d'années après, il s'est passé la même chose en Chine, et donc ce sont les Japonais qui ont renvoyé des poulpes aux Chinois. Donc pour répondre à la question, il n'y a pas de réponse précise, si ce n'est qu'il semble évident que le réchauffement des eaux, et on sait que toute la vie des fonds marins est essentiellement, je dirais, gérée par les courants. Les courants amenant le plancton et ainsi de suite. Vous connaissez la chaîne alimentaire aussi bien que moi. Et donc la seule réponse, je dirais, à peu près cohérente qui me vient à l'idée, c'est que les eaux se sont réchauffées. S'étant réchauffées, les mamans poulpes ont pondu plus d'œufs, qui vivent mieux, qui survivent mieux. Tout à l'heure, je vous ai donné la moyenne de 1,7 et j'ai bien insisté sur le fait que c'était une moyenne, mais que ça peut varier d'une année sur l'autre. Et donc la seule réponse que je puisse faire, c'est que c'est une année exceptionnelle pour les poulpes, mais qui ne préjuge pas de ce que sera l'année prochaine. Potentiellement, l'année prochaine, on peut très bien retomber. Alors, est-ce que c'est le déplacement du Gulf Stream? Est-ce que c'est un effet induit du réchauffement climatique que tout le monde, que tous les scientifiques mesurent? J'ai pas d'autre réponse et Ifremer n'a pas d'autre réponse. Alors, la deuxième question. On sait que l'hypothèse de l'isomorphisme stipule que l'architecture du cerveau influence la structure de la conscience. Alors, chez l'homme, c'est facile. Il y a un cerveau et tout se décide là-haut. Quand je dis c'est facile, ouais, on n'est pas toujours en accord avec nous-mêmes. Des fois, on fait les choses et potentiellement, on n'aurait pas forcément envie de les faire. Et donc, ça sous-entend néanmoins l'existence, effectivement, d'une conscience unique, puisqu'il n'y en a qu'un qui décide. Chez le poulpe, chaque bras ayant son cerveau, et comme je vous l'ai expliqué, chaque bras étant en capacité de prendre des décisions, mais néanmoins, il prend des décisions sur des semblants de consignes qui arrivent d'en haut quand même, des mouvements stéréotypés qui sont ordonnancés, et par ailleurs, on a vu qu'il rendait compte. Donc il y a quand même un peu de centralisation, même si c'est hyper décentralisé. Donc on pourrait dire que 9 centres de décision égale 9 consciences. Et donc la question qui est posée là, c'est est-ce qu'il y a une conscience unifiée ou est-ce qu'il y en a 9? Et s'il y en a 9, comment se résolvent les problèmes de conscience? Le bras gauche veut faire ça, le bras droit veut faire ça, pour l'instant ça va bien, il y en a un qui vous caresse, l'autre qui s'occupe de la coquille Saint-Jacques. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, forcément, en 5-6 ans, j'ai eu le temps de chercher. J'ai eu le temps de chercher, mais j'ai rien trouvé. Et notamment, j'ai pas trouvé de documentation scientifique. Et je ne sais pas comment ça se passe. Et donc, je me suis fait ma réponse, mais encore une fois, qui est une réponse. Je vous fais part là d'une réflexion personnelle qui n'a vraiment aucune valeur scientifique. Je me suis dit, et si la question ne se posait pas pour le poulpe? Le poulpe, comme tous les animaux, ils doivent répondre à ce que les anglo-saxons appellent la règle des 4 F, comme toute espèce, c'est-à-dire manger, se reproduire, combattre ou fuir. Et là, le poulpe, s'il s'occupe que de ça,
Et s'il n'est pas intellectualisé comme nous on le fait avec notre cerveau gauche, potentiellement, il ne se pose pas de questions et donc il n'a peut-être pas de problème de conscience. Il répond à cette problématique, manger, me reproduire, me protéger, combattre ou fuir. C'est la seule réponse que je vois. Néanmoins, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure et j'ai retrouvé la citation. C'est les chercheurs John Messenger et Roger Henlow ont ainsi dit en 1996 que les bras sont curieusement divorcés du cerveau. Cela s'explique effectivement par le fait que quand vous voyez un poulpe bricoler ses trucs tout à la fois, d'une part, ça vous semble désordonné, mais tout à l'heure, je vous ai préparé un petit bonus pour vous dire au revoir. Vous verrez que la pieuvre est capable d'être parfaitement ordonnée et donc il y a bien quand même quelque chose qui centralise. Et quand vous verrez la première image du reportage qui a été oscarisé, vous verrez que oui, il y a 9 cerveaux, mais potentiellement, il y a quand même une direction qui est donnée. Seule réponse que je peux faire aujourd'hui. Ah si, j'en ai une autre, j'avais pris quand même. Il y a un neuroscientifique qui a été cité, le docteur David Edelman, qui faisait partie de l'équipe de recherche. Alors lui, il va plus loin. Il cherche à savoir s'il n'y aurait qu'une forme d'intelligence possible et si les circuits qui transmettent l'information font toujours le même travail chez tous les animaux, y compris les vertébrés comme les oiseaux ou les mammifères et les invertébrés. Voilà, il y a un mec qui cherche, un neuroscientifique. Pas de réponse aujourd'hui. D'autres questions ? On a vu tout à l'heure dans la conférence que le poulpe peut faire la différence entre un soigneur qui est gentil, on va dire, et un soigneur qui l'est moins, capable de faire des câlins donc à celui qui est plus gentil avec lui. Est-ce que il peut être dangereux, le poulpe, avec quelqu'un qui n'a pas les bonnes intentions ? Ou dangereux pour l'homme, tout simplement ? Oui, je vais répondre et je vais répondre. Ma réponse va concerner le poulpe dans le milieu naturel et pas le poulpe en aquarium où là il y a forcément des phénomènes d'accoutumance un peu comme nos animaux domestiques. C'est pas pour autant qu'on arrive à domestiquer un poulpe. Hein. Quand il peut se barrer, il se barre. Mais je vais répondre à la question, les pieuvres ou les poulpes sont-ils dangereux ? Globalement, non. Les poulpes ont par nature, et vous verrez plein de vidéos sur YouTube, j'en ai une là que je vais essayer de passer après en sortant du diaporama. Les poulpes sont-ils dangereux ? Non, ils ont même un comportement joueur. Quand le plongeur arrive doucement, effectivement, ils sont joueurs, ils se font caresser, ils adorent ça, et ils sont entraînants. Par contre, il est évident que quand vous tombez sur un animal qui fait 35-45 kg sous l'eau et qui, pour un plongeur, vient vous mettre un coup de ventouse pour vous enlever le masque ou le détendeur, c'est sûr que ce n'est pas très confortable. Il y a, par ailleurs, non, je ne l'ai pas en vidéo, mais vous le verrez si vous regardez les vidéos, à un moment, il y a 2 plongeurs qui font partie des équipes qui ont filmé, et il y en a un qui a une caméra sous-marine comme ça, et le poulpe a décidé que ça l'amuserait bien, et donc, avec ses 4 bras, il prend la caméra et il essaye de se carapater vers la tanière. Eh bien, pendant que le plongeur s'accroche à sa caméra, il y a l'autre qui, avec une petite badine, essaye de lui faire lâcher prise. Alors, je ne sais pas combien de temps ils y ont mis, mais avant de récupérer la caméra, il a fallu un certain temps. Il y a une pieuvre en Asie, une qui est vénéneuse, qui s'appelle la pieuvre à anneaux bleus, et donc qui est un petit poulpe avec des anneaux bleus, qui elle a un poison mortel, un neurotoxique qui en quelques minutes tue un homme. C'est la seule aujourd'hui qui est répertoriée parmi les 200 espèces d'octopus qui est répertoriée comme étant dangereuse. Sinon, encore une fois, je vous rappelle que tout animal
et l'homme éventuellement est régi par la loi manger, se reproduire, combattre ou fuir. À partir du moment où, tout comme l'homme, vous n'avez pas de crocs, vous n'avez pas de cornes, là, la fuite est généralement la meilleure des défenses. Et d'ailleurs, c'est souvent la plus intelligente. Il n'y a que quelques combats qui valent le coup d'être vécus, et le poulpe, généralement, sait se sauver. Donc si jamais vous le dérangez, d'abord, si vous plongez et que vous parlez couramment le poulpe, à sa couleur et à ses changements de couleur, vous saurez s'il est de bonne humeur ou pas, un peu comme les chiens, quand vous approchez, vous savez ce qui vous attend. Sauf Pépère, qui lui est tout le temps gentil. Mais le poulpe, sinon, si jamais votre présence le dérange, il va fuir. Et éventuellement, vous aurez une tache d'encre qui va vous marquer, c'est tout. D'autres questions ? On parlait de prolifération de poulpes dans notre région. Justement, par rapport à ça, y a-t-il des quotas en matière de pêche instaurés ? Initialement, l'étude qui avait été commandée par la préfecture de l'Aude à 7 l'avait été en collaboration entre l'Ifremer et les pêcheurs pour préserver la ressource. Donc le boulot d'Ifremer, c'est souvent celui-ci, c'est de quantifier les ressources disponibles pour mettre des quotas. Et donc effectivement, il y a des quotas à peu près dans tous les pays, et il y a deux façons de pêcher le poulpe. Il y a le chalutier, là c'est pas très sélectif, et puis il y a le pot. Et donc ils mettent les Grecs pêchaient déjà de la même façon. Hein. Ils mettaient des pots avec un appât, des pots en terre, des jarres. Ils mettaient ça avec un appât, une corde, une bouée, et puis ils relevaient et il y avait un poulpe ou il n'y avait pas de poulpe dedans. Aujourd'hui, il y a des pêcheurs, notamment en Asie, qui mettent des chaînes de pots allant jusqu'à 3000 et quelques pots. Et donc tous les pays, et notamment tous les pays du cercle méditerranéen, Tunisie, Maroc, et ainsi de suite, ont instauré des quotas. Alors des quotas différents, mais généralement il y a des quotas. Alors le quota, c'est très bien. Autant les pêcheurs à 7 sont conscients que s'ils veulent préserver la ressource, il faut des quotas, ils les respectent. Par ailleurs, on a les affaires maritimes, on a la gendarmerie maritime, et ainsi de suite, qui peuvent surveiller. Il y a d'autres pays où il n'y a pas un avion des douanes, il n'y a pas un bateau des AFMAR, et donc les quotas, éventuellement, le gars des AFMAR est là quand le bateau arrive, mais sinon, les quotas ne sont pas forcément respectés, mais oui, il y a des quotas. Bon, si c'est bon, on va théoriquement suivre. Alors, hop, voilà, ça, c'est une photo que j'ai empruntée à Futura Science. C'est un poulpe des profondeurs. Vous voyez, il plane sur l'eau pour éviter de se fatiguer. Alors, merci de votre attention. Attendez, deux secondes, s'il vous plaît. Juste une dernière remarque, et comme je suis dans les temps, juste une dernière remarque. Remarque dans le cadre, je dirais, de ces journées, un chiffre, avant de vous offrir un petit bonus, un chiffre sur la biomasse des animaux sauvages. Sur la biomasse des animaux vertébrés, les animaux sauvages représentent 3 à 4% sur Terre. 3 à 4% d'animaux purement sauvages. L'homme représente 30% et 64% sont représentés par des animaux domestiqués, qui sont essentiellement des bœufs, des cochons et des poulets. Et nos animaux domestiques, chiens et chats, pèsent pareil entre 3 et 4%. Un chiffre qui doit nous donner à réfléchir. Cela sous-entend que nos efforts pour préserver la biodiversité doivent forcément se porter sur les 67%. Maintenant, je vais vous laisser avec un petit bonus, une superbe vidéo qui va mettre en évidence la capacité de l'intelligence émotionnelle et l'impact de l'intelligence émotionnelle du poulpe
sur l'homme. Remember the day when it all started, seeing this really strange thing. A lot of people say an octopus is like an alien. But the strange thing is, as you get closer to them, you realize that you're very similar in a lot of ways. Hard thing to explain, but sometimes you just get a feeling and you know there's something to this creature that's very unusual. There's something to learn here. I had to have a radical change in my life, and the only way I knew to do it was to be in this ocean with her. And then I had this crazy idea, what happens if I just went every day? Donc voilà sur ces superbes images de la bande-annonce de Netflix qui a été oscarisée. Le temps de laisser la place à une autre passionnée de la vie animale est arrivé. Je vous dis au revoir et peut-être à bientôt sur nos chaînes puisque tout a été capté et vous trouverez ça sur les vidéos sur le site de la mairie ainsi que sur mon site ZenCrise, sur ma chaîne YouTube ZenCrise. Je vous remercie de votre attention. Pour moi, j'ai passé 5 ans quasiment à m'intéresser aux poulpes et je pense que tout comme vient de le dire ce brave monsieur, ça m'a donné une belle leçon du vivre ensemble. Merci de votre attention et au plaisir. Passez une bonne journée. Il est 16h50. On a commencé avec 20 minutes de retard, on finit avec 10 minutes d'avance, monsieur l'organisateur. Des raisons de Covid, vous êtes tous obligés de sortir, même si vous êtes assisté à la conférence suivante, vous êtes obligés de refaire la boucle et on est obligé de vider la salle complètement. Merci.